Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 27 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finances et juridique, dans un délai le plus bref, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Et vous répétez cela encore deux fois. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le mental, hein, le mental. Eh bien, le mental est l'ensemble des outils, des ressources, des pensées, des processus logiques, en théorie, n'est-ce pas, qui sont managés de manière très efficace, eh bien, par votre cerveau. Le souci, c'est que notre éducation, notre culture, notre société, eh bien, mettent très en avant les exploits du mental et ne valorisent pas d'autres parties très importantes en vous, telles l'intuition, l'écoute de soi, le cœur, qui sont pourtant des outils très puissants, n'est-ce pas, et nécessaires pour être le maître de votre vie. Il est courant, malheureusement, d'être dans des processus mentaux, eh bien, qui nous coupent de nos ressentis, de nos émotions, de nos besoins et valeurs profonds pour être dans la logique et le rationnel. Le mental a tendance à être, eh bien, dans le passé, en train de ressasser, de comparer et juger sans cesse. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il faut que ça soit plus haut, plus bas, ou dans le futur, en train d'anticiper des choses qui ne sont pas arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais? Ça, c'est aussi le mental. Eh bien, cette carte, elle vous invite à revenir au présent, ici et maintenant, à sortir des comportements mentaux qui sont épuisants, qui vous éloigne de vous-même, des autres, de la vie, et qui vous font prendre des décisions, des choix coupés de vos valeurs et besoins profonds. Baladez-vous dans la nature, ressentez dans vos mains, par exemple, l'eau qui coule, extasiez-vous par le ciel bleu, les nuages qui passent, les saisons qui changent. Ressentez la vie en vous, vos mains qui bougent et avec qui vous pouvez faire ce que vous voulez. Émerveillez-vous par la création dans laquelle vous vivez. Et aussi, ressentez votre corps. Que dit-il face à une décision? Arrêtez-vous et connectez différentes parties de votre vie. Question, êtes-vous en accord avec vos valeurs profondes? Vous sentez-vous en cohérence avec vous? En agissant de cette façon, posez-vous ces trois questions. Le mental est un outil puissant, n'est-ce pas? Mais il n'est pas censé contrôler votre vie. C'est une combinaison de votre cœur en lien avec votre intuition,
votre discernement et votre conscience, qui guident votre vie et le mental est à leur service. Ne l'oubliez jamais. Je reviens à mon corps et à ses ressentis, je me connecte à mon cœur et à mon intuition, je me laisse guider par mon discernement et ma conscience, je sais quoi faire. Vous vous répétez ça 3 fois. Très beau message, n'est-ce pas, sur le mental. Le mental n'est pas tout, n'est-ce pas? Vous savez, je suis en train de penser à un très grand sportif, il faut qu'il ait le mental. Je suis toujours en admiration avec les triathlètes. La course, la nage et le vélo. Le triathlon, il faut avoir un mental d'acier. Mais bon, voilà, c'est pas tout le mental, n'est-ce pas? Il y a autre chose aussi. Il y a les autres parties, hein? Il y a l'écoute de soi, le cœur, l'intuition, etc. Très, très beau message. On termine hein, avec le petit oracle des fées que la magie opère, hein, n'est-ce pas? La fée de l'été. Ah ben voilà. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Et bien voilà, la fée de l'été. Je vous souhaite avec la fée de l'été une très 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 belle journée. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.